vous plaît, merci de bien vouloir prendre place pour que nous ne prenions pas trop de retard sur le retard déjà accumulé. Donc merci de bien vouloir vous asseoir pour que nous puissions commencer cette audition. Alors, j'ai à mes côtés, tout au bout, si je puis dire, donc Saïna Boucher, vous êtes psychiatre pour adultes et vous exercez à l'hôpital Lariboisière. Vous avez aussi une activité en libéral en cabinet à Paris. À côté de vous, Sophie Moulias, déjà connue normalement de nos conventionnels, puisque vous êtes déjà intervenue auprès de nous dans les groupes d'experts. Je rappelle que vous êtes médecin gériatre à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP, et vous êtes aussi docteur en éthique. Et vous coordonnez la réflexion éthique pour les hôpitaux ouest de la PHP. Et puis juste à côté de moi, Jacques Grille, vous êtes pédiatre, neuro-oncologue et vous exercez à l'Institut Gustave Roussy. Merci beaucoup d'être là pour venir éclairer les citoyens sur ce thème du discernement, qui est donc le sujet de notre audition. Alors, discernement ou pleine conscience, peut-être d'ailleurs pourrez-vous faire une distinction entre ces deux termes. Et le questionnement en fait, des citoyens sur ce thème, c'est à la fois un questionnement sur l'accompagnement des personnes en fin de vie quand il y a un trouble du discernement, mais c'est aussi le questionnement sur la capacité pour un malade en fin de vie ou pas, sa capacité à prendre des décisions pour lui-même de manière éclairée, décisions qui pourraient aller jusqu'à choisir de vouloir mourir, soit en se donnant la mort ou soit en souhaitant qu'on la lui donne dans le cadre sécurisé que pourrait être un suicide assisté ou une euthanasie. Dans la perspective d'une éventuelle ouverture de la loi à une aide active à mourir, donc plusieurs cas de figure se présentent et interpellent nos citoyens que vous avez en face de vous. Le cas du mineur, alors le mineur c'est une notion juridique, mais le cadre de l'enfant, la situation de l'enfant, la situation de l'adulte ou du mineur qui est atteint, alors de beaucoup de mots qu'on entend parmi nos conventionnels et qu'il conviendra très certainement d'expliciter, c'est-à-dire atteint de troubles psychiques, de maladies mentales ou de maladies psychiatriques ou la personne souffrant de troubles existentiels. On reviendra donc là-dessus sur des définitions. Et puis le cas aussi des personnes âgées, avec des questions autour de leur discernement, mais aussi autour des troubles cognitifs qu'elles peuvent développer dans certains cas. Donc en fait, que peut-on appeler le discernement pour les patients qui sont les vôtres ? La parole énoncée par le patient se suffit-elle à elle-même ? De quoi est composée cette parole de l'enfant, de la personne âgée, de la personne atteinte de troubles psychiques, psychiatriques, mentaux, existentiels ? Comment peut-on évaluer ce discernement et quelles sont bien sûr les réponses que vous apportez ou les manques que vous constatez dans les dispositifs actuels pour apporter des réponses? Je vous propose de procéder comme on avait procédé pour la dernière audition. Je vais poser juste une question d'introduction à chacun de nos trois intervenants, question à laquelle ils vont répondre en 4-5 minutes. Enfin, voilà, on n'a pas de timer, mais l'idée est de faire une introduction un peu brève. Et puis ensuite, la parole sera à vous, avec le même fonctionnement pour les questions. Une question par question, et puis une réponse à chaque question posée, sachant que je dois avoir quelque part quelqu'un qui prend les questions posées. Voilà. Donc en QR code, puisqu'il y a aussi possibilité de poser des questions à partir d'un QR code. Voilà, donc je vous propose qu'on fonctionne de cette manière-là et on a plus d'une heure devant nous. Je vais commencer par Sophie Moulias. Vous me disiez que les personnes âgées étaient quelquefois les parents pauvres en service de soins palliatifs ou dans l'accompagnement de fin de vie. Donc on va leur faire... peut-être honneur, je ne sais pas, mais en tout cas, on va commencer par vous. Et je remets mes lunettes. Pardon. Voilà. Une première question très générale, la question du discernement et de l'âge, est-ce qu'il y a un lien?
Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que parce qu'on est vieux, on perd du discernement en termes clairs? Quelles sont les attentes des personnes âgées avec ou sans troubles cognitifs au moment de leur fin de vie? Merci. Alors, il n'y a pas d'objet âge et discernement. Il n'y a pas d'objet. Enfin, si, je pense que plus on avance en âge, plus on sait ce qu'on veut. Et peut-être surtout, plus on sait ce qu'on ne veut pas. Mais ça, c'est la vie, en fait. C'est l'expérience qui veut ça. Mais en tout cas, l'âge lui-même n'est pas objet d'absence ou de trouble du discernement. Par contre, les maladies neuroévolutives, quel que soit l'âge du sujet, peuvent provoquer des changements dans le discernement. Alors le discernement, c'est vraiment pas un mot que je pratique habituellement. Donc la question, c'est la capacité qu'on a chacun d'entre nous à comprendre un sujet, à en comprendre, à en saisir la gravité et à faire un choix à un moment ou un autre. Donc, Vous appelleriez ça comment alors, si vous ne l'appelez pas discernement? Alors peut-être pas en un mot, mais en un petit groupe de mots. Alors nous, en tout cas, on s'intéresse plutôt aux capacités et aux... Alors on va utiliser le terme de capacité qui est plus peut-être un peu plus simple, mais dans la capacité de décision, par exemple. Nous, en médecine, on utilise beaucoup le consentement. Donc là aussi, vous interrogez le consentement aux soins d'une façon ou d'une autre. Dans le consentement, que ce soit le consentement au mariage, qui est peut-être plus simple à imaginer pour nombre d'entre vous, ou le consentement au prêt, quand vous allez chez le banquier, il faut déjà avoir eu l'information correctement, qu'on vous l'ait expliqué parfois longuement, pour être bien sûr que vous puissiez être en état de comprendre. Donc ça veut dire qu'on s'adapte à l'autre avec potentiellement ses difficultés à entendre, à avoir besoin de beaucoup de précision. Une fois qu'on a expliqué, il faut pouvoir comprendre en fait ce qui est dedans, saisir les différentes informations, pouvoir faire ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, essayer de voir si je m'engage, qu'est-ce qui va se passer, si je ne m'engage pas, qu'est-ce qui va se passer. Et puis après, il faut pouvoir aussi faire un choix, c'est-à-dire, moi, finalement, j'ai fait tout ça, mais maintenant, moi, je veux ça. Et donc, dans toutes ces différentes étapes, en fait, il y a une possibilité de dysfonctionnement lié à plein de choses, même pas toujours à la maladie, mais en tout cas, dans les maladies neuroévolutives, il y a des possibilités que ces différentes étapes défaillent, pas forcément toutes en même temps. Donc le problème, nous, en tout cas de notre point de vue, c'est surtout d'éviter de faire perdre des chances aux personnes en disant qu'elles ne sont pas capables, alors qu'elles sont capables, par exemple, des étapes 1, 2, 4, et pas forcément d'arriver à exprimer comment faire la balance bénéfice-risque pour elles. Voilà. Donc on peut toujours aider l'autre aussi. La problématique quand on a une maladie neuroévolutive, c'est que souvent c'est vos proches qui choisissent pour vous. Donc on voit souvent, les personnes nous disent, demandez à mes enfants, ils savent bien, ils savent ce qui est bon pour moi. Ouais. Mais non, en fait, il faut quand même s'intéresser au sujet tant qu'il est en possibilité d'exprimer quelque chose, ne serait-ce que d'exprimer aussi par le geste. Il n'y a pas que la parole dans la capacité à exprimer des choses. Donc tout ça, ça fait partie de la complexité du sujet. Mais ça fait partie de la complexité du sujet malade. Sinon, tout fonctionne bien, aussi bien pour les plus âgés que pour les autres. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il y a des fois où on s'engage et puis il y a des fois où on ne s'engage pas parce que... on ne se sent pas capable de prendre telle ou telle décision et ce n'est pas pour autant qu'on a des troubles. Merci pour cette toute première approche. Donc, je vais passer à l'autre bout de l'âge de la vie. En vous interpellant, Jacques Grille, vous avez évoqué, Sophie Bolias, l'importance de l'entourage, mais l'importance aussi d'écouter la parole qui est émise. Vous m'avez évoqué les mêmes choses quand on a préparé cette audition, Jacques Grille. Donc, sur cette question de,
alors du discernement, mais peut-être y mettez-vous un autre terme. Hein. On a vu qu'on pouvait appeler ça la capacité de décision ou la capacité de prendre des décisions chez l'enfant. Donc comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a d'abord une barrière de l'âge? Est-ce qu'il y a un âge avant où on peut faire preuve de discernement et après? Et que représente cette importance de la captation de la parole de l'enfant? Et quel rôle y jouent les proches? Alors, effectivement, de la même manière que les parents d'une personne âgée vont servir de vecteur de décision dans certains cas, la parole de l'enfant est assez difficilement dissociable de celle de ses parents. Et c'est toute la subtilité dans un certain nombre de situations où on peut avoir un hiatus entre ce que l'enfant choisit et ce que les parents veulent pour lui. Et on peut avoir des situations où l'enfant va refuser de prendre un traitement par la bouche qui peut être entendu comme « je refuse un traitement ». Donc il y a cette possibilité qu'on doit pouvoir laisser aux enfants. Et je pense que c'est difficile de définir un âge, légalement le mineur émancipé ou pas, car on a des capacités d'exprimer des choses qui sont liées au contexte familial. Il y a des familles où on a appris à parler ou à dire ce qu'on pense, et puis il y a des familles où on n'a pas cette possibilité-là en tant qu'enfant. Et donc tout ça fait qu'on est obligé d'avoir une grande attention de la part d'une équipe de soins pour recueillir ce consentement. Moi, j'aurais tendance à préférer aussi le terme de consentement qui nécessite donc une question claire posée, c'est oui ou c'est non, et la capacité de laisser le temps à l'expression de ce consentement. Et en fait, aujourd'hui, quand nous faisons des protocoles investigatifs, c'est-à-dire quand on va proposer un nouveau traitement à un enfant et à ses parents, bien évidemment, c'est la signature des parents qui officialise le consentement et qui est la seule chose qui a une valeur légale. Mais pour autant, nous recueillons le consentement de l'enfant sur des documents à part et à partir de notes d'information qui lui sont destinées. Et on descend en général jusqu'à l'âge de la lecture avec des informations qui sont plus ou moins simplifiées mais qui vont permettre à l'enfant d'exprimer à un moment donné un consentement. Et donc on peut consentir à un traitement et on peut aussi ne pas y consentir. Donc on peut le faire chez l'enfant. C'était ça le message, mais il faut qu'on soit attentif au fait qu'on a une pression parentale qui rentre en ligne de compte et qu'il faut savoir gérer. Merci. Je me tourne maintenant vers Sanéa Bouchez. Donc vous êtes psychiatre. Alors une question d'introduction peut-être un peu plus générique. Comme je l'expliquais en introduction, il y a des termes qui circulent, donc troubles psychiques, maladies psychiatriques, troubles existentiels. À quoi correspondent ces différentes terminologies et surtout à quel type de patient et au regard de la fin de vie, quelles sont les approches de comment on peut examiner cette question du discernement par rapport à ces différentes typologies de patients. Les médecins psychiatres s'occupent de troubles mentaux, de problèmes en santé mentale. On parle donc de maladies psychiatriques, qui sont des maladies fréquentes en population générale. Quand on regarde les études épidémiologiques de prévalence de ces pathologies, on se rend compte que ce sont des pathologies qui sont fréquentes, qui constituent un coût important, un coût économique important, qui concerne beaucoup de personnes. Et ces personnes sont prises en charge sur le plan médical par des médecins psychiatres.
et sur le plan psychothérapique, soit par des psychothérapeutes qui sont psychologues, soit par des psychothérapeutes psychiatres. Là, c'est le cadre de la maladie mentale. Les différents travaux de recherche et de classification qui ont été faits durant les 50 dernières années ont permis d'augmenter la précision de chaque diagnostic, de chaque trouble mental. Maintenant, on ne divise plus les troubles mentaux en troubles névrotiques et troubles psychotiques. On arrive à faire une classification comprenant des troubles de l'humeur, les troubles bipolaires de l'humeur dont vous avez entendu parler, les troubles dépressifs. On parle de troubles anxieux, on parle bien sûr de troubles psychotiques, de troubles de la personnalité. Donc on a avancé en précision, en spécificité dans le diagnostic des troubles mentaux. On a aussi avancé dans leur traitement. Alors quand on parle de discernement, quand on réfléchit à la notion de discernement en troubles, en pathologie mentale, on est confronté à ce sujet dans deux domaines. Il y a le domaine de la psychiatrie pénale, de la psychiatrie légale, où on demande aux psychiatres experts de se prononcer sur les facultés de discernement d'un patient qui a commis un acte médico-légal, enfin un acte légal sur autrui. Et la deuxième situation est une situation qui est beaucoup plus fréquente en clinique, notamment au niveau des urgences, qui est d'évaluer le discernement d'un patient qui nécessite des soins et qui s'oppose à ces soins. Et là se pose aussi la question d'une évaluation de ses capacités de discernement. Mais s'il y a un message clair à transmettre dans un premier temps, c'est que la maladie mentale n'abolit pas le discernement du patient. Toutes les maladies mentales n'abolissent pas le discernement d'un patient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on souffre d'un trouble mental, ça ne signifie pas que la personne a une abolition de son discernement. Certaines pathologies, certains accès dans ces pathologies peuvent être à l'origine d'un trouble du discernement qui peut être variable dans le temps, qui peut être présent à un moment donné de cette pathologie, de l'accès pathologique et disparaître, mais nos patients n'ont pas, du fait de leur maladie mentale, de manière systématique, un trouble du discernement. Merci pour cette toute première approche et je vous propose maintenant de vous laisser la parole à vous pour vos questions plus spécifiques, plus ciblées. Et vous avez donc trois interlocuteurs devant vous pour y répondre. Donc qui commence? Oui, tout en haut, bien fort dans le micro, avec votre prénom. Avec votre prénom, parce que moi je vous connais, mais peut-être nos interlocuteurs moins. Mohamed B. Oui, en fait, j'entends dire qu'il y avait. Attendez que je prends juste la feuille. Dans la maladie psychologique, la personne, même si elle était malade, elle pouvait quand même discerner et prendre une décision, c'est ça? Voilà, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que qui dit maladie mentale ne dit pas trouble du discernement. Par exemple, la maladie mentale peut être représentée par exemple par un trouble anxieux. Quelqu'un qui souffre d'une anxiété majeure n'a pas une abolition de son discernement, n'a pas une abolition de son raisonnement, peut prendre à toutes les capacités nécessaires pour prendre des décisions concernant sa santé, sa vie, etc. Donc, maladie mentale en soi n'est pas synonyme, Mohamed, d'une abolition ou d'un trouble du discernement. Par contre, il faut savoir que dans certains troubles mentaux, pas tous, hein, mais dans certains troubles, et dans certaines phases de ces troubles mentaux, les patients peuvent présenter un trouble
de leur discernement. Okay. Vous pouvez nous donner juste un ou deux petits exemples de troubles mentaux dans lesquels on peut apparaître des troubles du discernement ? Oui, par exemple, il nous arrive de prendre en charge des patients qui présentent ne serait-ce qu'une dépression, une dépression majeure. Il y a dans les dépressions des formes profondes, graves, de souffrance psychique qu'on appelle mélancolique, où la personne a des idées noires, voit tout en noir, a même la conviction d'avoir commis des fautes graves alors que ce n'est pas du tout le cas. Il entend le gyrophare et il se dit ça y est, c'est la police qui vient me chercher parce que j'ai commis quelque chose de grave, etc. Eh bien, à ces moments-là, ce patient a des troubles du discernement. Vous voyez ? Mais okay. Ce même patient, traité, pris en charge, allant mieux, retrouve complètement ses capacités antérieures et a complètement un discernement normal. Et est-ce qu'on peut le savoir avec certitude ? Quoi donc ? Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Si la personne a des problèmes de discernement ou pas, ou est-ce que ça peut évoluer avec le temps aussi ? Non. Comme vous avez dit tout à l'heure, si une personne, par exemple, elle est dépressive et qu'elle veuille se suicider, oui. C'est la dépression qui lui fait faire ça, donc elle n'est pas complètement apte à prendre des décisions. En fait, ce n'est pas systématique de toute personne souffrant de dépression, mais nous, psychiatres, on n'a qu'un seul outil de diagnostic, et c'est l'entretien avec les patients. C'est le fait de discuter avec les patients, de leur poser des questions, d'essayer de comprendre leur raisonnement, etc. C'est sur ça que l'on se base. Et okay. Durant un entretien de 45 minutes, d'une heure et quart, nous arrivons à voir avec certitude quels sont les éléments qui sont en faveur d'une abolition du discernement du patient. C'est-à-dire que quand le patient nous dit je suis... Simplement parce qu'il est déprimé, mais de manière majeure, je suis responsable d'énormément d'erreurs, de fautes, avec des conséquences lourdes pour la population, pour mon pays, etc. Il est évident, à ces moments-là, que la personne a un trouble délirant, presque, mélancolique, et que dans ces moments-là, son discernement est aboli. Okay, merci. Alors, faut m'aider hein, dans les travées. Voilà, Joey. Oui, je reviens ensuite. Alors, juste une petite question par rapport aux maladies psychiatriques. Dans beaucoup de cas, l'envie suicidaire est un symptôme. Du coup, première question, quelle compatibilité des maladies psychiatriques avec le suicide assisté ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que finalement, c'est pas un symptôme et c'est compliqué de régler. Et deuxième chose, dans le cas des maladies physiques, certains praticiens nous ont dit que cela pouvait aussi du coup entraîner un symptôme mélancolique. Est-ce que du coup ces gens qui à la base souffrent de maladies physiques sont aptes à prendre la décision de suicide assisté aussi, puisque on sait que cette maladie physique va provoquer une maladie psychique derrière avec une envie suicidaire. Donc, quid des compatibilités dans tout ça ? Alors, toute maladie physique n'entraîne pas un trouble dépressif. Ce n'est pas systématique. Ce sont des maladies, évidemment que la dépression peut compliquer une maladie physique, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les idées noires, les velléités suicidaires, les idées suicidaires ne sont pas systématiques dans la dépression. Voilà, c'est tout patient déprimé ne présente pas obligatoirement des idées suicidaires, des idées noires. C'est pas un symptôme indispensable pour faire le diagnostic de la dépression. Par ailleurs, les cliniciens qui viennent vous dire que, évidemment, que quelqu'un qui souffre d'une maladie physique en phase terminale peut avoir des éléments de tristesse, de dépression,
eh bien, ce clinicien a raison. C'est son quotidien et c'est là que nous intervenons. Il nous demande de l'aide pour, avec la question précise, voilà, cette personne souffre sur le plan physique. Plusieurs traitements ont été essayés. Nous sommes à bout des démarches thérapeutiques. Par ailleurs, cette personne exprime un souhait de mort. Et qu'en est-il ? Est-ce que, selon vous, psychiatre, c'est associé à une dépression ou pas ? Et donc, notre rôle est de voir si ce qu'exprime le patient entre effectivement dans le cadre d'une dépression ou pas. Et encore une fois, comme je le précisais à Mohamed, c'est un entretien psychiatrique qui nous permet de voir si effectivement il y a une dépression, tout en sachant que, évidemment, que quelqu'un qui est épuisé physiquement est aussi épuisé psychiquement. Mais l'épuisement psychique ne suffit pas pour porter le diagnostic de la dépression. La dépression est une maladie qu'il faudrait voir sur un modèle médical, un peu comme toutes les autres maladies, comme le diabète, etc., avec des symptômes qui doivent être présents, un groupe de symptômes présents, permettant de faire le diagnostic. Donc, dans ces cas, quand on se déplace au lit de ces patients, quand on s'entretient avec eux, notre objectif est de voir si effectivement ce souhait de mort est lié à un trouble dépressif ou lié à un autre trouble mental, et pouvoir les aider et traiter le trouble en se disant, l'hypothèse étant, peut-être qu'avec moins de symptômes de dépression ou moins de symptômes psychiques en général, parce que seule la dépression n'est pas responsable d'idées noires ou de velléités suicidaires, peut-être que cette même personne, avec la même maladie physique, pourra voir différemment les choses et pourra avoir une décision différente. Merci. Alors, beaucoup de mains qui se lèvent. Romain ? Alexandra ? Alexandra. Oui, bonjour. Alexandra. Si on veut aller droit au but, à quel moment, selon vous, peut-on accorder ou peut-on valider une demande d'euthanasie ou de suicide assisté à un patient psychiatrique ? Alors, merci. En préparant l'audition, je me disais qu'on pouvait être confronté à trois cas de figure, à trois possibilités différentes. La première possibilité, c'est de prendre en charge un patient qui n'a qu'une maladie, enfin qui ne souffre que d'une maladie psychiatrique. Voilà. Que ce patient vient nous trouver en disant, comme ça s'est présenté une fois dans ma carrière, en me disant, voilà, j'ai besoin que vous me fassiez un certificat en tant que psychiatre pour que je parte en Suisse pour un projet de fin de vie. L'autre cas de figure est le patient qui présente, et c'est très fréquent aussi, et je vous dirai pourquoi, une association entre une maladie psychiatrique et une maladie physique. Et c'est très fréquent parce que nos patients, malheureusement, du fait de leur pathologie, mais aussi du fait d'un certain nombre de traitements qu'on leur donne, développent des pathologies somatiques, des pathologies physiques. Par exemple, ce sont des patients qui sont très fortement tabagiques, qui peuvent être exposés à des problèmes de cancer bronchopulmonaire. Ce sont des patients qui peuvent avoir des troubles addictifs, donc qui peuvent avoir un alcoolisme et, par exemple, des cancers hépatiques, etc. Donc, le cas de patient qui a à la fois une pathologie psychiatrique et une pathologie physique associée. Et puis, troisième cas de figure, le patient qui a une pathologie physique qui présente une décompensation, comme on en a parlé, psychiatrique.
Je crois que c'est le premier cas qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le patient qui souffre d'un trouble psychiatrique et qui exprime un désir de mort. Et votre question, c'est dans quel cas peut-on accéder, faut-il accéder à cela ? Alors, vous savez qu'en France, nous n'accédons pas à cela, clairement, et que la conduite à tenir pour nous, quand, par exemple, dans le cas de du patient dont je vous ai parlé, c'est de forcément chercher à comprendre ce qui est sous-jacent à ce désir de mort et d'essayer de traiter le trouble que le patient juge comme résistant au traitement, que le patient juge comme intolérable en termes de souffrance. Donc notre attitude, vous le savez, est une attitude encore de soutien, de recherche de traitement, de recherche d'amélioration des symptômes et de la qualité de vie du patient. On y reviendra. On y reviendra. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Romain, oui. Bonjour. Question en particulier pour Madame Moulias et Monsieur Grill dans vos spécialités respectives. Donc Madame Moulias pour les personnes âgées, Monsieur Grill plutôt pour des enfants. Plusieurs questions. Avez-vous déjà eu dans votre pratique l'occasion de recevoir des demandes de mort de la part de vos patients ? Comment y avez-vous réagi et quelles ont été les suites de ces demandes ? Et question subsidiaire toujours dans chacune de vos spécialités. Une des craintes, je pense, de dérive majeure qui nous occupe concernant les personnes âgées peut être le sentiment de culpabilité, d'être un poids pour la société ou être un poids pour la famille qui pourrait, avec l'ouverture d'une aide active à mourir, faciliter les personnes vers une forme de sacrifice pour le bien de la société ou pour le bien de leur famille. Quel est votre avis sur la question ? Et Monsieur Grill, dans votre cas concernant les enfants, dans le cadre d'une ouverture de l'aide active à mourir pour des mineurs, quelle serait la place des parents, en tout cas de l'autorité médicale, et quel diagnostic, ou en tout cas, comment procéderiez-vous dans le cadre de la réception du consentement de l'enfant dans une demande de mort ? Alors, là, on va peut-être commencer par vous, Jacques Grill. Donc, sur le premier volet de la question, avez-vous, dans votre pratique, vous me disiez que vous étiez un vieux pédiatre, avez-vous, dans votre pratique, dans votre longue pratique, eu des demandes de mort de la part d'enfants que vous avez suivis ? Alors, je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais c'est exceptionnel. Une demande ferme, réitérée, claire, c'est exceptionnel. Qu'un enfant puisse dire cette vie-là que j'ai ne sert à rien, je préférerais mourir, ça, c'est des paroles qui sont dites et qui sont entendues. Mais c'est encore un peu différent de dire je voudrais mourir. Et ceci est rare. Donc aujourd'hui, on peut y être confronté. On a, de par la loi, la possibilité d'accéder à une sédation profonde pour soulager des souffrances, qui peuvent être morales ou qui peuvent être très clairement physiques. Et vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est important dans notre exercice et que je vous ai un petit peu primé sur l'aspect qu'il y a en pédiatrie le rôle des parents qui est très important. Et on ne peut pas forcément dissocier les deux, de ce que les parents envisagent pour leur enfant et de ce que les enfants envisagent. Et la tendance, nous, pédiatres, on a, de par la loi, la possibilité de passer outre une décision parentale si on pense qu'elle n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Donc, par exemple, prenons un scénario qui n'arrive finalement pas si souvent, mais les parents l'enfant qui demanderait de mourir et les parents qui diraient non, je ne veux pas. Et mon enfant, il n'est pas capable de discernement. Je, en tant que père ou en tant que mère, je pense que mon enfant ne sait pas le dire. Il fait ça parce qu'il nous voit malheureux et il veut que ça cesse. Mais ce n'est pas, c'est
pas quelque chose qu'il dit de façon avec un discernement. Et c'est là où on est dans la subtilité pour la réponse à ça, qui nécessite un travail à plusieurs professionnels avec des décisions d'éthique, et pour savoir comment on arrive à réconcilier cette décision qui est une demande à laquelle on doit accéder. Mais finalement, ce n'est pas si fréquent que ça qu'on soit dans cette situation-là, d'une demande réelle faite par l'enfant. Mais si l'enfant arrive à la faire, il faut l'entendre, quel que soit son âge et sa situation, ça j'en suis persuadé. Et il y a souvent, ça se fait de façon peut-être moins claire par le refus de soins. Je ne veux plus de traitement. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux que ça s'arrête. Et donc, vous arrêtez de me faire des traitements. Donc, ça, c'est des décisions que les enfants prennent. Juste un petit complément par rapport à votre question. Est-ce que ça se manifeste de manière différente entre la petite enfance et l'adolescence, par exemple, l'âge un peu pré-adulte? Est-ce que ça se joue un peu différemment à cet âge d'adolescence? Je pense que l'adolescence va être une période un peu plus ambiguë encore que la plus petite enfance. Et donc, c'est plus difficile pour nous de comprendre, puisque les relations se sont complexifiées avec l'entourage, avec la famille. Donc, c'est très certainement différent. Et effectivement, les fins de vie se rencontrent plus la discussion se rencontre plus à l'adolescence, puisqu'en fait, l'enfant va avoir eu un traitement pendant un certain temps et il va peut-être mourir 10 ans après le début de sa maladie, quand il aura déjà 15 ans et qu'il aura vécu depuis l'âge de 5 ans avec sa maladie. Donc il y a toute cette histoire aussi qui nécessite d'être prise en compte, et qui mieux que les gens qui se sont occupés de l'enfant pour le faire. Pour les personnes âgées, alors avez-vous beaucoup de demandes avez-vous des demandes de personnes âgées qui soient mues par le poids qu'elles représentent ou les difficultés qu'elles rencontrent, sollicitent cette envie de mourir, demandent à mourir? Alors, je pense que dans votre question, il y a différentes situations. En effet, sur les demandes fermes, décidées et souvent décisives d'aide active à mourir, dans le grand âge, c'est-à-dire dans la partie qui normalement m'intéresse, c'est-à-dire, logiquement, la gériatrie aujourd'hui en France, c'est plutôt les plus de 80 ans. C'est les plus de 80 ans, j'en ai jamais rencontré. Les seules personnes que j'ai rencontrées qui m'ont demandé, en effet, et qui m'ont pas forcément demandé à moi d'ailleurs, j'ai l'épouse d'un patient qui, un jour où le monsieur était hospitalisé dans mon service, m'a dit écoutez, je vais plus pouvoir m'occuper de mon époux parce que, en fait, j'ai une maladie chronique extrêmement évoluée. Et là, j'ai décidé que j'en avais assez, je pars ce week-end en Suisse et je ne reviendrai pas. Et une autre patiente qui, devant le. Que j'ai vu deux fois en consultation et qui, à l'annonce du diagnostic qui lui avait été fait d'une pathologie cancéreuse actuellement minuscule, mais sur laquelle on lui a proposé une thérapeutique active, a dit « Je ne veux pas de ces traitements-là, je ne veux pas de ça, et je pars contre la vie de... » Enfin, voilà, il y a une grande discussion avec ses enfants. On a bien sûr pris en compte sa demande, en fait. Il y a eu des discussions familiales avec aussi les soins palliatifs, avec les différents thérapeutes qu'elle avait pu rencontrer. Ces deux femmes étaient l'une avait 75 ans, l'autre 79 ans, étaient des adultes parmi d'autres, en tout cas, n'avaient pas en tout cas une quelconque maladie neuroévolutive et totalement. Vivait seule et enfin seule, oui, même la dame dont le mari était hospitalisé, l'époux avait une maladie d'Alzheimer très évoluée, donc elle prenait ses décisions seule, sans concertation forcément avec d'autres. Et voilà, elles ont fait leur choix et elles ont été accompagnées par nous
comme nous pouvions dans ce qui peut se faire ici, en tout cas sans frein, mais avec avant tout la possibilité de savoir ce qui était possible déjà de faire pour elle aujourd'hui ici pour qu'elle puisse être soulagée si elles avaient des douleurs, etc., mais pas forcément de leur angoisse prospective en tout cas. Après, par contre, dans la vie d'un gériatre, eh ben, on rencontre en effet beaucoup de personnes qui nous disent voilà, là, alors il y a le tous les jours j'attends que le bon Dieu me rappelle, ou tous les jours, tous les soirs j'espère ne pas me réveiller le lendemain. Ça, ça arrive. Après, ben, on est quand même content de prendre son petit déjeuner le lendemain ou de voir ses petits-enfants, etc. Donc, voilà, il y a la lassitude, comme je l'ai déjà dit à certains d'entre vous. Il y a le fait que potentiellement on a perdu ses amis, parfois ses enfants déjà, parfois des petits-enfants, et que la vie dans ces cas-là a une saveur différente sans doute. Il y a l'isolement qui est lié à la perte sensorielle, hein, et en particulier l'audition, parce que quand on est dans une perte d'audition, on est très enfermé et très isolé. Et ça, ça donne une souffrance psychique, en fait, qui est très, très difficile. Et où là, voilà, on voit bien que les gens nous disent, là, j'en ai marre, en fait. Il y a une perte de plaisir et de désir. Hein. Souvent, c'est des patients qui ont perdu, pas forcément de la joie de vivre, parce que quand il y a possibilité, en fait, quand il y a de la joie, ils s'en saisissent, mais qui ont perdu la perspective, en fait, ce qu'on appelle le désir, en fait. Ils n'arrivent pas à se projeter dans quelque chose de positif ou d'heureux. Donc, voilà, c'est plus compliqué pour eux. Mais ces patients-là, quand on prend le temps et qu'on se pose avec eux, ils n'ont pas forcément... Enfin, ils n'ont pas une... Ils ne disent pas « ni tuez-moi, ni aidez-moi, enfin, je veux partir, faites ce qu'il faut pour que je m'en aille. » Et après... Quant à votre question sur la culpabilité, oui, alors ça, on l'a souvent, pas forcément par rapport à la société elle-même, mais chez des patients qui ont des maladies chroniques ou qui ont perdu leur autonomie physique, leur capacité, enfin, qui viennent vivre chez leurs enfants parce qu'eux, ils habitent dans un étage élevé ou que voilà, c'est trop petit, qu'ils ne peuvent pas avoir des aides ou qu'ils n'en veulent pas. Voilà. Et à ce moment-là, ils disent... Voilà, moi, j'en peux plus, je suis un poids pour mes enfants, c'est trop dur pour eux de me supporter. Donc là, en effet, il y a souvent une demande de... voilà. Là, on a vu, par exemple, dans la vaccination anti-Covid, on a des gens qui nous ont dit peut-être que je ne vais pas me vacciner, parce que comme ça, si je le chope, j'arrêterai d'embêter mes enfants, quoi. Donc voilà, ou en disant je veux pas partir de chez moi, donc eux ils sont obligés de venir vivre chez eux, mais il n'y a pas de mise en perspective par ailleurs différente. Voilà, chacun réfléchit de son point de vue sans qu'il y ait le passage à l'acte lui-même, le pas d'après qu'on entend chez certains comme les deux dames que je vous ai citées n'est pas fait, en tout cas il n'est pas demandé de la même façon. Je ne sais pas si je me suis correctement exprimée, mais... Je vais prendre une question peut-être postée par l'intermédiaire du QR code. Oui, une première question a été posée en ligne à l'ensemble des intervenants. Très concrètement, si l'aide active à mourir est ouverte, comment s'assurer du discernement du malade qui présente des troubles mentaux ? Alors, peut-être Sanéa Bouchez sur cette question. Comment évaluer en fait, comment ce discernement, comment encore une fois, le trouble mental ne constitue pas de manière systématique une abolition du discernement. Le fait est que nous devons en tant que médecins psychiatres évaluer la demande de l'aide à mourir et essayer de voir si c'est une demande qui entre dans le cadre de symptômes de la maladie mentale. Par exemple, quelqu'un qui est délirant, quelqu'un qui est persécuté, quelqu'un qui se sent en danger, ou l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, à un trouble du discernement. Donc l'aide
l'aide que nous devons apporter à ces patients, c'est de traiter le trouble qui est à l'origine de cela. Si j'avais à pousser un peu plus la réflexion et me dire, parmi les patients qui souffrent d'un trouble mental et qui nous expriment un désir de mort, lesquels faudrait-il aider? Je me dirais que, donc, comme je vous l'ai dit, un, éliminer le désir de mort qui est satellite, qui est lié à un trouble psychique intercurrent, qui est actuel, et deux, voir un peu quel a été le parcours thérapeutique du patient. C'est vrai qu'il y a des troubles mentaux et des symptômes mentaux qui sont réfractaires au traitement, qui sont résistants au traitement. Ils ne sont pas nombreux, c'est rare, mais il y a des situations, par exemple, de schizophrénie, de syndrome délirant, de syndrome dissociatif, qui résistent au traitement et qui, malgré toute l'aide psychothérapeutique, pharmacothérapeutique, institutionnelle qui pourrait être amenée aux patients, qui persistent. Et évidemment, qui sont source d'une souffrance, d'une détresse, d'une solitude importante chez les patients. Et je pense que un travail important est de définir ces critères de résistance au traitement, c'est-à-dire de dire voilà, nous avons un patient que nous n'avons pas réussi à soulager. Et qui reste, malgré les essais thérapeutiques, les tentatives thérapeutiques, en souffrance, en détresse. Et un tel travail de réflexion est indispensable, me semble important, pour dire, le désir d'aide à mourir qu'exprime le patient n'est pas lié à un symptôme d'un trouble aigu actuel. Il est le résultat d'une résistance thérapeutique, multithérapeutique, c'est-à-dire plusieurs traitements médicamenteux, plusieurs types de psychothérapie, plusieurs types de prise en charge institutionnelle. La détresse reste, les symptômes restent présents, la détresse est entière. Et comment aider ce patient? Et la voie de la réflexion, à mon avis, serait celle-là. Définir les situations de résistance au traitement et de souffrance résiduelle liée au traitement inefficace. Merci. Fabienne? Fabienne, voilà, ben moi, je voudrais vous demander... Mais bien ça, proche du micro, ma Fabienne. Bien ça continue un peu ce que vous venez d'exposer. Et moi, je me pose beaucoup de questions sur les traitements qu'ont les personnes âgées à l'heure actuelle dans la vie quotidienne. Parfois, quand ils vont en hôpital, ils reviennent, nous qui travaillons au quotidien avec elles, on ne les reconnaît plus. Et je me demande quelle est la part d'influence des médicaments sur leur discernement. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça arrive qu'on diminue un traitement? De traitements qui n'ont rien à voir avec des troubles psychiques Si, ça peut être ça. Souvent, c'est dû à la solitude et tout ça, un entourage défaillant. Mais on peut avoir tous les cas, quoi. Les cas d'alcoolisme aussi, moi j'en ai rencontré, de gens qui reviennent chez eux, et là, du jour au lendemain, ils se retrouvent seuls. Et ils sont là, vraiment, si on ne leur donne pas des traitements. Alors, quelle est la question d'éthique par rapport à tout ça? Est-ce qu'on doit... Moi, il y a des moments, j'ai envie de dire, on en souque les malades, pour leur éviter d'aller plus loin dans leur mal-être, quoi.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. J'ai entendu personne âgée à un moment, donc je prends le pouvoir. Mais je crois qu'il y a déjà les traitements, quels que soient les traitements que quelqu'un prend, les traitements doivent toujours être réinterrogés. Même quand le docteur a dit ça, c'est à prendre toute votre vie, ben, il peut y avoir un jour un nouveau médicament qui soit plus performant que celui-là et qui ait moins d'effets indésirables. Donc on peut réinterroger le traitement, même quand on en prend depuis des milliers d'années. Donc ça, c'est le premier truc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prescrit toujours les traitements pour une durée limitée et qui, normalement, pour être renouvelé, on a besoin d'être examiné par un docteur qui vous repose des questions, de savoir comment ça va, que ceci, est-ce qu'il n'y a pas trop d'effets indésirables et tout. Après, ce que vous interrogez, c'est la solitude, l'isolement, qui est sans doute la vraie pathologie de notre société et qui est aussi le grand souci, alors, du grand âge, mais pas que, aussi on parle beaucoup du désert médical, mais la mort sociale, elle touche beaucoup de gens du grand âge, beaucoup du monde rural, et que ça, comme vous le dites très bien, en fait, les médicaments ne remplaceront pas l'humain. Ça, c'est le premier truc. Et après, l'aide médicale à mourir ne remplacera pas l'humain non plus, en fait. Et que ça, ça fait partie des choses qui interrogent d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait d'humain aujourd'hui dans nos sociétés pour ces personnes-là qui sont en fait en souffrance d'humain pour beaucoup d'entre elles. Ça les empêche pas de pas vouloir d'humains qui viennent chez elles par ailleurs. L'être humain reste ambivalent par nature. On retrouve la même ambivalence au niveau des enfants, Jacques Grill, par rapport à ce besoin d'humain, par rapport à cette... Oui, je pense que c'est, s'il y a un message peut-être commun qu'on a à faire, c'est que vous pouvez réfléchir à modifier la loi, vous pouvez réfléchir à introduire des possibilités qu'il n'y a pas aujourd'hui, mais si derrière il n'y a pas des êtres humains, des professionnels qui sont là pour encadrer ça, ça ne servira à rien et ça sera même pire que ce que c'est aujourd'hui. Donc c'est vraiment, pour moi, une réflexion importante à avoir, d'avoir ce facteur humain qui... Et aujourd'hui, ce n'est pas la loi qui nous empêche d'être humains avec nos malades. C'est le manque d'humain pour être là avec les malades. Alors, Samy. Bonjour Samy. Donc c'est une question pour vous trois. Si la loi vient changer et qu'on mette le suicide assisté et l'euthanasie sans condition, quels seraient les risques de dérive qui pourrait y avoir? Et pour vous, professionnel, quel serait le risque de moral pour vous? Comment vous pourriez moralement, comment vous le vivriez? Alors, des réponses peut-être un peu concises sur un sujet large. Peut-être Sanéa Bouchez, que pourriez-vous répondre à cette question? Je pense que il est du devoir du médecin psychiatre d'accompagner réellement ses patients. À côté des autres professionnels de la santé, de soulager aussi cette solitude et la souffrance qui peut être à l'origine de cette aide à mourir. Je pense que sur le plan personnel, puisque c'est votre question, c'est qu'est-ce que ça peut nous faire sur le plan personnel? Il est intéressant de réfléchir au fait que ça pourrait déstabiliser un certain nombre de médecins de leur position de toute puissance, où ils se disent que leur rôle est uniquement de traiter, de guérir, d'améliorer les situations. Et je pense que c'est un nouvel apprentissage
que de dire oui, on a une obligation de moyens, tous les moyens ont été mis en place, mais arrive un moment où on est obligé aussi de constater un certain nombre de situations, évidemment d'entendre et de continuer à entendre et plus entendre encore la parole des patients et de pouvoir les accompagner sur cette voie qui sera forcément dans notre pays, dans notre exercice, quelque chose qui sera relativement nouveau, qui changera de toute manière l'abord des choses. Merci Sophie Molias sur cette question. Alors, bon, comme nous aussi, la question, est-ce que ça changera quelque chose pour notre population ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas, je suis pas persuadée qu'on aura forcément des milliers de demandes de la part des personnes et des patients dont nous nous occupons. Peut-être que nous aurons plus demandes de leur famille. Donc moi, je vois plutôt la dérive par là. Et j'ai entendu dans plein d'endroits. Et voilà, il y a plein de gens qui attendent aussi ça pour pouvoir ont plein d'ambitions diverses et variées pour d'autres. Je rappelle que toutes ces décisions se prennent pour soi et normalement pas pour d'autres. Donc voilà, mais pour moi, la question du dérapage sera plutôt par là, de savoir qui prend la décision. Après, en ce qui concerne les soignants, je pense que les soignants sont déjà exprimés pas mal d'une façon ou d'une autre. Il y en a déjà plus beaucoup, il y en aura encore moins. En tout cas, sur l'euthanasie, les soignants ne suivront pas. Mais sur le suicide assisté, ça concerne moins les soignants, donc il y aura de toute façon... quel que soit le cadre qui soit écrit, il y aura des conditions où les uns et les autres pourront s'engager ou non. Donc voilà. Mais les soignants n'inscrivent pas l'euthanasie comme un soin. Jacques Grill, votre réponse par rapport à cette question. C'est pas facile de faire une réponse simple à cette question-là. Je pense que là encore, ce que je verrais personnellement peut-être de plus significatif dans une loi comme ça et dans les changements que ça opérerait, c'est que la discordance qu'il peut y avoir entre les parents et l'enfant, on ouvre une porte qui aujourd'hui n'existe pas. Et là encore, si on n'accorde pas la voix, si on ne réussit pas à recueillir de façon correcte la parole de l'enfant, c'est donc le tiers qui prend la décision pour autrui. Et c'est un pouvoir qu'on donne aux parents, mais c'est un pouvoir qui est extrêmement dangereux pour eux, parce que eux, ils vivent après avoir pris la décision de l'euthanasie ou le suicide assisté de leur enfant, puisqu'en tant qu'adultes responsables de leur enfant, c'est à eux que revient cette décision. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on ait en tout cas à l'esprit, c'est que la mort d'un enfant, c'est deux parents qui survivent. Et moi, je voudrais qu'on ne les oublie pas, parce que derrière, il faut qu'on puisse gérer ça. Et ce n'est pas simple, et je ne suis pas persuadé que la possibilité de l'euthanasie ou du suicide assisté soit la réponse la plus efficace dans tous les cas. Alors, je vais repartir un petit peu Je voudrais juste faire un petit complément par rapport à des réactions de ce que j'ai dit. Moi, je vous parle d'une position de gériatre. Je n'ai pas de vision sur les autres soignants parce que je ne les connais pas. Mais les soignants de gériatrie, dans un pays dans lequel
La loi Claeys-Leonetti n'est pas encore aujourd'hui totalement appliquée de façon égalitaire et équitable partout en France, voire enfin, envisager une application d'une euthanasie libre, enfin, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, mais sans limite, pas sans frontières, mais sans limite, est quelque chose qui, aujourd'hui, pour l'immense majorité d'entre eux, est quelque chose d'inenvisageable, en fait, d'extrêmement choquant. Mais c'est dans ce cadre-là qu'il y a le droit d'évoluer aussi avec les modifications et dans le monde de la gériatrie. Donc, en effet, ça ne représente qu'une fraction des soignants et pas tous les soignants. Alors, donc je repars un petit peu de ce côté-là. Oui. Anton, j'ai une question pour vous trois. Dans le cas où vous serez face à un patient dans vos spécialités respectives qui fait une demande claire, répétée, réitérée, il n'y a pas de question sur le consentement, une demande d'aide active à mourir, suicide assisté ou euthanasie, on ne va pas faire de distinction, et en oubliant un peu toutes les contraintes qu'on a actuellement sur le nombre de soignants, etc., est-ce que pour vous, ça serait une solution à proposer à cette personne, ou est-ce que vous y êtes fermement opposé ? Merci. Alors, un peu la même question posée sous un autre angle, de manière plus peut-être plus incisive. Est-ce que vous souhaitez compléter votre réponse précédente par rapport à ça ? Est-ce que si ça faisait partie des choix possibles ? Sophie Moliès, si vous êtes, si on est dans un cadre légal où les choses sont proposées, en tout cas où c'est autorisé par la loi, nous travaillons tous dans un cadre légal. Donc après, chacun entre en notre âme et conscience, comme il y a aujourd'hui pour certaines autres décisions. Donc les professionnels agiront en fonction de la loi. Soit, de toute façon, si la possibilité existe. Et qui a la possibilité dans l'établissement dans lequel ils sont, eh ben, ils feront ce qu'il doit, enfin, ce qui peut être proposé dans l'établissement dans lequel ils sont. S'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, comme tout ce qui existe dans la loi, puisque y compris faire des sédations, etc., aujourd'hui, si un médecin ne veut pas s'en emparer, il confie le patient à un autre médecin qui peut assumer cette fonction-là, donc ça sera la même chose en fait. D'une façon ou d'une autre, quand il y a un cadre de loi, ceux qui travaillent savent qu'il faut respecter la loi. Voilà. Après, Sané Abouchès, vous voulez Non, Anton, moi, je rejoins ce qu'a dit le docteur Moulias, mais dans mon domaine, dans ma spécialité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous manquons cruellement à l'heure actuelle de critères pouvant définir la résistance au traitement, les troubles réfractaires et tout ce qui peut amener un patient à faire cette demande parce que nous n'avons pas pu soulager sa souffrance. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la loi, et évidemment que si on est dans un cadre médical et légal clair, évidemment qu'on est là pour accompagner. Jacques Grille, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre réponse précédente ? Il ne faudrait pas qu'on simplifie trop les choses et qu'on ait la conscience que des demandes, elles peuvent être ambivalentes. Et donc la possibilité de faire ne signifie pas nécessairement qu'il faut le faire. La question de l'inscrire comme un droit, ça veut dire qu'on peut l'exiger. Et donc, c'est quelque chose qui est compliqué de l'exiger pour autrui. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on peut être en difficulté en tant que pédiatre, puisqu'on a un trio entre le soignant, le patient et sa famille. Alors, beaucoup de mains se lèvent. Étienne.
Alors, on parle beaucoup des personnes âgées, des personnes, des enfants. Qu'est-ce qu'il en est quand une personne est sous curatelle renforcée ou curatelle renforcée ou tutelle renforcée? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe par rapport à quoi? Par rapport à l'accompagnement, par rapport à la prise de décision, par rapport déjà à la législation et par rapport à la prise de décision. C'est une personne, mettons, qui a une maladie grave et c'est une personne tierce qui gère sa vie, qui gère ses comptes. Comment ça se passe? Est-ce qu'elle a quand même un pouvoir de décision ou on s'en réfère à son tuteur légal? Quelles sont les différentes situations? Alors, nous n'avons peut-être pas de juristes sur ce plateau, mais par contre des praticiens qui ont déjà peut-être rencontré ce type de situation ou pas, Sophie Molias? Oui, c'est très, enfin, c'est clair. C'est le tuteur, comme vous l'avez dit, le tuteur légal, c'est un tuteur avant tout au bien. Donc après, il peut être aussi tuteur à la personne ou il peut y avoir un autre tuteur à la personne, d'où l'importance de la personne de confiance. En fait, c'est le juge qui donne le pouvoir de décision au tuteur du niveau du niveau de décision qu'il peut avoir. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Il y a une personne qui est arrivée ce matin dans mon hôpital avec une fracture de hanche qui était sous tutelle. C'est une dame qui avait des troubles cognitifs par ailleurs. Il fallait l'opérer, c'est clair. Initialement, la dame a refusé d'être opérée. Donc, on a eu un coup de fil. Enfin, voilà, les chirurgiens ont dit on y va. Et puis, la dame a dit non, je ne veux pas être opérée, je ne suis pas cassée, je n'ai rien, je veux rentrer chez moi. Et donc là, on ne peut pas opérer quelqu'un, même avec des troubles cognitifs, même avec manifestement une urgence chirurgicale, si la personne n'est pas d'accord. Même si elle a un tuteur, même si elle a, ce qui était le cas, un fils avocat qui vous appelle en vous menaçant de tout ce qui existe sur la terre, on ne peut pas l'opérer si elle n'est pas d'accord. Donc il faut exactement ce qu'a dit ma collègue, c'est qu'il a dit il faut du temps, de l'apaisement, du discernement, du soulagement de la douleur, du discernement du soignant pour... trouver un moment pour que, à force de voir des visages qu'on espère souriants et sympathiques autour d'elle, d'avoir moins mal, on a fini par accompagner cette dame jusqu'au bloc et la convaincre qu'il fallait l'opérer. Et elle a été opérée. Voilà. Mais ce n'est pas le tuteur qui peut dire « il faut opérer cette dame et je vous signe le papier pour que vous l'opériez et on l'opère ». En tout cas, chez les adultes, moi je connais que les plus âgés, c'est comme ça et la loi est comme ça. Merci. On a pas mal entendu, cette crainte un peu d'une sorte d'épidémie d'aide active à mourir chez les personnes âgées. Moi j'aimerais revenir un peu là-dessus. Finalement, est-ce que ce qui est sous-tendu, c'est pas aussi... un peu une vision paternaliste du grand âge, de personnes âgées qui ne seraient pas capables de décider pour elles-mêmes, qui seraient en dehors de la société. Finalement, est-ce qu'au-delà de la psychologie individuelle, ce n'est pas aussi notre psychologie collective et notre regard collectif sur le grand âge qui doit aussi changer? Parce que finalement, cette crainte, il y a aussi un sous-jacent, pour ma part, que je trouve assez paternaliste et assez versatile sur... le grand âge et les personnes âgées. En quelques mots. Vous êtes très gentil, vous appelez ça paternalisme, moi j'appelle ça de l'âgisme. C'est de la discrimination sur l'âge. Si vous changez le terme âge par un autre terme, genre couleur de peau, sexe, autre chose, vous verrez comme ça vous fait bondir. Donc clairement, oui, c'est de l'âgisme, et non, il n'y aura pas d'épidémie d'aide active à mourir chez les plus âgés. Par contre, il y aura potentiellement une épidémie d'autres qui viendront vous demander de faciliter le départ de certains des plus âgés. Et que ça, clairement, c'est... Ouais. Mais, question et épidémie, pour reprendre votre terminologie, qu'on ne trouverait sûrement pas dans votre domaine, la pédiatrie, Jacques Grille, vous... Non, je pense pas qu'on viserait dans l'épidémie, mais peut-être qu'on aurait des situations plus difficiles à vivre avec les parents
qui seraient en droit d'exiger du médecin quelque chose qui est dans la loi et quelque chose qui est peut-être prématuré. Moi, je traite des enfants avec des tumeurs au cerveau, donc un certain nombre d'entre elles sont incurables et je le sais dès le départ. Et on pourrait imaginer que le parent décide, ça m'est arrivé une fois, que les parents me demandent de ne pas traiter l'enfant, en disant, avec ce que nous nous annoncez, ça ne sert à rien de le traiter, ne le traitons pas. Et j'ai accédé à leur demande, alors même que je pouvais le traiter l'enfant et prolonger sa vie. Mais je pensais que le conflit qu'on introduirait dans la famille serait plus douloureux par cette injonction thérapeutique que je ferais en tant que le pouvoir que j'ai en tant que pédiatre de faire. Donc je pense que c'est tout ce qui va s'inscrire dans la loi va forcément derrière correspondre à une demande. Et ces demandes, on va les gérer. Et dans toutes nos situations où c'est un tiers qui va intervenir dans la décision, ça va rendre des choses difficiles. C'est pas pour ça qu'il faut pas les faire, mais ça va rendre les choses plus difficiles. Alors, il reste 5 minutes, donc j'anticipe les frustrations futures. Donc il reste 5 minutes. Oui. Une question au docteur Grill. Au cas exceptionnel, vous avez un enfant qui demanderait à mourir. Vous seriez d'accord qu'il n'y a plus de ressources thérapeutiques, que les parents seraient d'accord. Est-ce que vous envisageriez de vous défausser derrière un suicide assisté ou vous prendriez vos responsabilités complètes jusqu'à l'euthanasie? Je ne vais pas éluder la question, malgré sa brutalité. Je peux agir dans le cadre de la loi. Je pense que le contrat moral que j'ai avec une famille et son enfant continue, et même continue au-delà du décès. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est comme ça que je le vivrai. Alors, je vais prendre une ultime question. Oui, bonjour, Corinne. Alors, je ne vais pas vous poser la question sur l'aide active à mourir, ne vous inquiétez pas, je vais aborder un autre sujet. Lors de nos différents débats, on nous a fait part que certaines douleurs réfractaires ne pouvaient pas être prises en charge avec une posologie quelconque. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez à votre connaissance des posologies, des médicaments qui éventuellement changerait, alors je vais reprendre vos termes, la capacité de décision ou le consentement d'une personne. C'est-à-dire, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les médicaments qu'on peut donner à un patient en soins palliatifs, tels que la loi actuelle l'autorise, etc., situation de confort, est-ce que certaines posologies peuvent toucher cette capacité et ce consentement ? C'est-à-dire, et en sachant que pour lui, c'est indispensable, parce que c'est pour réagir à une douleur réfractaire. Donc, c'est un vrai confort, mais on peut difficilement, effectivement, arrêter ce soin pour dire, maintenant, je vais prendre votre capacité, votre consentement. Alors, ultime question. Je suis désolée. Ultime question, donc ultime réponse du côté de nos intervenants. Qui veut répondre à cette question ? Sophie Moliès, vous avez le micro en main, ou Sanéa ? Oui, bien sûr. Alors, il y a différentes choses. Il y a les médicaments et il y a aussi l'état dans lequel se trouve la personne. Et sur les douleurs réfractaires, chacun d'entre nous, vous avez dû tester à un moment ou un autre des antalgiques majeurs, même intermédiaires.
Il y en a qui nous perturbent un petit peu, qui nous font dormir. À un moment, en fait, la douleur, c'est jamais un truc en continu. Ça fait comme ça. Et puis, les médicaments, même au long cours, ils couvrent un temps. Et puis, au bout d'un moment, il faut prendre un petit rappel. Donc, il y a... Et au moment où on est apaisé après l'intensité de la douleur, on est plus paisible, on est parfois endormi. Parce que finalement, être endormi, c'est un moment où on est apaisé et on est aussi dans un apaisement émotionnel, enfin en tout cas dans un état de ressenti différent. Donc on n'aura pas... Est-ce que ça change les capacités de discernement si on est dans un coma profond, bien sûr. Enfin, je veux dire, si on passe son temps à avoir un état de vigilance où on hurle parce qu'on a mal et un autre où on s'endort parce qu'on est paisible, on ne peut pas parler de discernement dans ce cadre-là, en fait. Et après, pour le reste, eh ben, à part l'état de conscience, en fait, les médicaments, ils changent l'état de conscience. Pour ce que vous appelez, ce que j'appelle moi la capacité de décision ou de consentir, eh ben, il dépendra de la personne elle-même, en fait, de la façon dont elle se sent. Inquiète ou non de la survenue de sa douleur et de tout ça, mais ça, c'est son état de vigilance en fait qui est le premier pas indispensable à pouvoir avoir déjà la moindre réflexion, quoi. On ne peut pas recevoir une information si on n'est pas vigilant. Ça n'est un mot, très rapidement. Pour ce qui est de ma discipline, certains médicaments, notamment les neuroleptiques, peuvent entraîner au maximum un état d'indifférence émotionnelle, affective, mais pas pour autant abolir le discernement ou entraîner un trouble du discernement. Jacques Grille. Non, sur ce point, j'aurais pas de choses à rajouter. C'est évident que c'est des questions très techniques, en fait, et c'est un peu la gestion au quotidien du patient, et on a des médicaments qui vont permettre une décédation rapide. Vous pouvez avoir une dose filée de ce médicament-là qui met la personne dans un état de relaxation qui lui permet de supporter une situation, mais on peut lever le médicament pour avoir un échange, si on le souhaite, avec cette personne. Donc, je pense qu'on a un arsenal médicamenteux et la possibilité de faire des sédations profondes, voire, il m'est arrivé de faire une anesthésie générale pour un patient dont on n'arrivait pas à contrôler les douleurs, qui n'était pas nécessairement en fin de vie. On peut aller jusque-là, le temps qu'on arrive à bloquer le phénomène, et puis après, petit à petit, on réveille la personne. Donc on n'est pas dans on va assommer le malade et puis après il sera plus capable de faire de plus rien dire, de plus rien faire. Merci beaucoup à vous trois, je suis désolée. Voilà, merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup. Je vais vous raccompagner. 10 minutes de pause pour vous. On va vous demander donc de prendre une petite pause d'une dizaine de minutes. La consigne étant de partir en pause et de revenir.